Allez, on va tester plein de choses aujourd'hui, notamment en vidéo. Là, je vous ai fait un petit support vers l'arrière. On va voir si ça fonctionne. Là, ça va bouger un peu, vous risquez d'avoir le mal de mer. Mais c'est ici le mode collier, là, de la... pour les vues de dessus qui sont un peu moins avec les mains devant en train de mouliner. Et le micro, voilà. Donc ça va être le premier essai en termes de vidéo. Vous allez voir, vous allez me dire si ça fonctionne. En plus, aujourd'hui, il y a du vent. Et puis, on est le lendemain ou le surlendemain de la vague de petite froid qu'on a en septembre, voilà. On passe de 27 à 17, 14. Donc on va voir comment ça réagit. Ah, ça va être chiant, il va faire froid, il va faire chaud. Bon, bah, les petits gars, ça va bouger aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de vent. Voilà, on commence... Donc on a commencé par... Il y a quand même beaucoup d'herbier ici. Mais là on est dans une fosse. Mais bon, on commence quand même avec un gros chat comme ça. Texan 24 grammes. C'est pas profond là. Et puis on va voir ce que ça donne. De quoi? Ouais. Donc on va essayer couleur naturelle là tout de suite et puis parce que t'en auras une bientôt. Ah ok papa. Ok. Et qu'est-ce que j'ai me coupé maintenant, je sais plus. Ouais, chat naturel et puis on verra si si ça marche pas on passera sur là on va plutôt là ça va être plutôt Divinator chat un peu ce qui a marché la dernière fois, pas trop de l'heure dure à voir, à confirmer. Et tu remontes là? Ah putain, touche! Ah! T'as loupé? Ouais. Ouais, tu peux. J'arrive! Alors, on va voir ce que nous a offert le petit Pierre. Et encore au Divinator, hein, je vous le... J'arrive! Donc lui, il a un ensemble... Laisse-le! Ah, Pierre! Faut que tu le baisses la canne! Ah, c'est pas grave, mon grand, tu l'avais. Ah, Monsieur ça. Patate. Je lance. Tu me dis, waouh, gros poisson. Je vais faire. Je sens la tension. Je continue. Je lève la canne. Tout droit. Je me dis, non. Là, justement, faut pas faire ça. Faut vraiment garder la tension. Mais je t'ai dit, en fait, au début, quand c'était vraiment, il était parti. Après, je ramène, je sens que c'est dur. Je me dis, herbier. Ah, peut-être que t'as pris herbier, ouais. Du coup, quand je ramène, je le vois, il est devant mes pieds. Et en fait, je savais pas si genre, je devais laisser canne basse ou canne haute. Ah, toujours canne basse. Toujours canne. Il est piqué, mais genre quand je te dis bord, c'est bord. Ah ouais, bah s'il est mal. Ouais, bon, là c'était. Donc si c'est ça, t'arrives à temps, ça, tu me laisses comme ça dans la merde à chaque fois. J'ai mal au bras. Donc on va passer au Divinator. Il m'a eu dès le début. Hein. Je lance une là. Ah, elle a tombé. Ouais, comme le mien la semaine dernière. C'est ça qui est bien avec ce leurre là, c'est qu'avec la palette, dès qu'il tombe, en fait, il est. Il bouge. Hein? Il est droit. Ouais. Moi, je voulais passer au-dessus. On est passé sur le balami en 170 40 grammes pile poil pour le maximum bien bien jaune. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là allez, j'arrive.
Bah, allez, ramène doucement. Ah ouais. Oh, il est pas trop bas. Yes, bien ouais, je suis sauf, putain, joli. 80 ou 70, je pense. On va essayer. Tu sais c'est quoi le pire? C'est bien. C'est que déjà, ma lunette tombe, donc je vois plus rien. Alors attends, par contre, il est un peu mal piqué. Ouais. Bon, tu vois, de 1, de 2, mais ma lunette se coince dans mes cheveux, donc ça me tire, j'ai mal. Et je suis juste là, je vais souffrir. Bon. Pierrot a son joli deuxième poisson, enfin deuxième poisson remonté aujourd'hui. Par contre, il est bien piqué là, mon ami. Ah bah là, là j'ai ferré mon pote. Oui. Peut-être. Quand tu fais. Oh. Attends. Il y en a juste un. Il y en a juste un qui veut planter. Oh, ah ouais, là j'ai bien piqué une coupe de pour le mesurer celui-là. Oui. Faut que le chien aussi. Il faut que là. Je pense qu'il se mesure sur le truc ou il est trop petit. Voilà. Alors, oh putain. Il est joli hein. Ouais. Ouais, je sais. Je pense que non, il est plus petit, trop petit ton truc. Alors plus de 50 déjà. Dans le moral, c'est incroyable. Attends, parce que je t'avoue. Waouh! Plus gros que tous les tiens. Ah ouais, joli. Très très belle bête. Regardez. Par contre, regardez ça. C'est moi, je l'ai pêché, je le dis. Tu le veux? Attends, en fait, j'ai un peu la crainte. Et en fait, j'ai peur aussi de le lâcher. Ça me ferait tricher. Mesure-le d'abord. En mesure, tu veux? Ouais. Oh, let's go! Et je veux ma photo, hein. Oui, alors là. Voilà. Bah, faudrait que tu le prennes, hein. De quoi? Ouais, bah oui. Bah oui, monsieur. Oui, je le tiens, mais comme ça, au pire, s'il tombe, bah tu vois, on l'a mesuré. Oui. Oh. Flashy. T'es refait. Là. Flashy. Toujours au Divina. Au truc de Sakura. Sakura slash Blade, je crois, un truc comme ça. Alors, le mesurateur. Hop. Moi je le prends, je le pends et en fait tu le. Oh mais attends, en fait faut que j'arrive à m'accrocher à toi d'abord. En fait j'arrive pas. Putain c'est dur, j'arrive pas moi. Voilà. Papa, j'ai fait dur. Ah c'est bon. T'inquiète, elle est en vidéo. Oui, bah c'est pas rigolo. Non, mais c'est bon. Ah, il fait 80. De 1, premier gelé, là, on l'a. Tu le ça arrive. C'est ta release. Et alors c'est pas grave, mon ami. Je l'ai même pas touché. Bah, tu peux, de toute façon, franchement, si t'as peur de prendre un poisson, c'est pas un brochet de 80 que tu vas prendre. Mais hein. Là, tu me fais quoi? Tu me le lâches devant mes yeux? Oui. Oh, ça va. 80, même pas ma photo. 80, tu crois? Facile. Non, facile, peut-être pas. Non, 75. Ouais, ouais, ça fait... même, c'est le plus gros qu'on ait pêché, tu le lâches. Ça fait un 70-75, ouais. Tu le lâches comme ça? Il était par contre, il avait faim, hein. Parce qu'il était... Mais je m'en fous. Allez, pêche maintenant. C'est fou, c'est une dinguerie, faire ça. Tu brûles des carrières. Vous vous rendez compte? Mais c'est engueulé. Deux fois, il me gâche mon poisson. De 80. Non, t'énerves pas. T'énerves pas. Deux fois. Allez, pêche, tais-toi, va. Oh putain! Ouais! Chut. Touche!
Ah. Putain, au bateau. Ah. J'ai, juste au flot de tube, il a attaqué. Donc là, on va tester la version biwa pour être sûr que c'est pas que le sakura qui prend, donc à peu près la même couleur. Version herring, je crois, 55 grammes. Et là, j'ai dû passer sur un bas de ligne titane parce que l'anneau est trop serré pour avoir pour recevoir bah, le nœud. Champignons là. C'est évidemment quand j'ai plus de batterie ni dans aucune des deux GoPro qu'on fait le poisson. Voilà. Ah, il est sympathique. Tu me files, loulou? J'attends. Allez, j'arrive, il arrive. Tiens, je vais juste pas tomber le téléphone. Toi, t'auras ta photo. Non, mais filmer là, tu peux filmer. Oh, j'ai trop mal à la jambe. J'ai trop de sport. En tout cas, il a donné celui-là. Hein. Ouh, bah, il s'est décroché, tu vois. Il était pas accroché. Tu fais pas tomber dans l'eau? Hein? Regarde-moi. Donc là, celui-là, c'est au Biwa Divinator, le vrai, le réel. On était sur la fosse, j'ai mis boum de lancer. On rentre pas dans la fosse? Si, il a sorti de la fosse. Ouais, ça fait longtemps. Oh, moi là où j'étais, j'en pouvais plus. C'est beau, hein. C'était du plat sur du plat. Je touchais le sol. J'avais envie de mourir. Non. J'ai pas envie. C'est pour là qu'il faut que je le prenne. Hop, sur le dos. J'ai froid. C'est un combattant. Prends-le pas. Beau pépère. Voilà, 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 t'es vraiment nul. Voilà. Faut tenir par le cartilage. Tu tiens pas par le cartilage. Ouais, mais c'est impressionnant quand j'ai pas encore trop. Et ben voilà, deux fois qu'il gâche deux poissons. Mais non, on l'a eu quand même.